ici Devil 57 pour un nouveau épisode de Cindy Chu. Allez, c'est reparti. Allez, là. Ouvre la carte. Attendez. Tata. Alors, je pars. Non, c'est l'activité. Oh yes, baby. Allez, c'est parti. Allez, avance, le petit vaisseau. Vaisseau! Ah, il est beau, mon vaisseau. Il a des siècles! Il a des siècles! Mais il est beau. Voilà, donc là, il va atterrir. Thumos l'indestructible a un vaisseau dans cette base. Ouais. C'est le seul moyen que nous avons pour nous rendre sur le Tout-Puissant sans nous faire détecter. Vous allez donc devoir le voler. Aux dernières nouvelles, les déchus sont en train de bouger. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Quel vautour, ces déchus. Ils débarquent toujours à l'improviste. Un peu comme un arcaniste quand vous... Oh. Continue. Ah, continue. Non, je crois que je vais m'arrêter là. D'accord. Pourquoi pas? Attendez, je fais juste un petit truc, je me protège. Ouais, comme ça, ça va beaucoup mieux. C'est une partie. Ce coup, il faut que je t'invite. Ouais. Alors, invité. Hop. T'es où? Et là. Invité. Tu crois que t'as reçu l'invite? Ouais. Non, je t'entends fort d'un seul coup. J'ai changé de micro. Ah, c'est pour ça. Je vais t'abaisser un peu. Essaye de voir de parler. Un, deux, un, deux. Essaye de parler en faisant 1, 2, 1, 2, j'ai pas le temps de régler. 1, 2, 2. Ouais, là c'est ça vraiment. J'aime bien avec les gens quand je lui dis ouais, parle voir pour que j'essaye de régler le micro. Les gens, 1, 2. Bah ouais, bah non, c'est pas assez pour régler le micro. Alors, J'espère que t'arrives à me rejoindre. Ouais, c'est bien. Parce qu'avant j'étais sur le micro. Là je suis sur le micro casque. Avant j'étais sur un micro avec le bras à l'extension. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Un micro. Micro studio? Ouais, voilà. Aïe, mais font mal!
Il me tire sur moi, j'ai rien fait moi. Blanc comme neige. Bah toi, ça te fait marrer. Hein. Ça te fait marrer. Salut Shigamine, bah ça peut aller toi, comment tu vas? Il ne reste plus qu'un vaisseau sur les aires d'atterrissage. Ce doit être le vaisseau de Thumos. Allez-y avant qu'il ne soit trop tard. Un vaisseau. Non, j'ai pas encore testé ce jeu-là parce que j'ai pas de thune. Pour l'acheter. Ouais, le jeu... Ah, désolé pour mon anglais. Pas ce mot phobia. C'est celui du nouveau jeu qu'ils ont sorti. Un cassou. Ouais. Ouais, on m'a demandé si j'avais testé. Et... Non, j'ai pas de thune. J'aimerais bien trop le tester. Ah, moi je voudrais bien l'avoir, mais sauf que j'ai pas de thune. Moi peut-être je vais me le prendre le mois prochain. S'il augmente pas, niveau prix. Ça va, 11€. Moi, sauf que j'ai tellement de trucs. Ah bon, je suis comme toi. Lol. Voilà, tu, comme tu peux voir, je suis sur Destiny 2. Y'a Kassou qui vient mêler. Parce qu'elle a déjà fait la campagne. Oui, là, on est en mode campagne. Allez, tiens, je balance une grenade, ça m'énerve. J'ai... De temps en temps, j'ai une grenade. Peut-être que je le balance. Ouais, bah, c'est ça, c'est la thune. Hein. Toujours la thune. Et ouais, c'est toujours la thune qui manque. Ouais. Aïe, laissez-moi recharger là. Ils sont méchants avec moi. Allez, pour la peine, toi, je vais te donner un coup de poing. Voilà, ça c'est fait. C'est pareil, une streameuse il y a pas longtemps, parce que je suis aussi une autre streameuse, enfin beaucoup de streameuses, hein, 300. Bah, elle m'a demandé si j'avais le jeu Among Us. Bah je fais non. Elle m'a fait, ah c'est dommage, on aurait pu faire des parties ensemble. Bah ouais, mais non, je l'ai pas. Bon, par contre, j'aime pas trop ce jeu. Je stream que les week-ends. Je bosse. Je bosse tout le temps, mais je bosse encore, mais je stream que les week-ends. La semaine, c'est de la rediffusion que je mets. On peut s'y marquer. Hein. Ouais. Je marque toujours. Ah, et oh, calmez-vous. Hein. À quoi, ils t'aiment bien. C'est des méchants chiens. Wow, c'est mes chiens. Si on peut appeler ça des chiens. Toi, par contre, tu stream plus en ce moment, Shigamine. Allez, toi, un petit coup de poing, et toi, un petit coup de poing aussi. Ah, J'ai pas mon outil. Moi, je l'ai, mais la dernière fois, tu m'as dit, ouais, t'aurais pas dû utiliser ton multi. Oui, parce qu'il y avait un boss, mais là, je crois qu'il n'y en a pas, de toute façon. Ah, mais je le garde maintenant. Et vas-y, je l'utilise, et après, tu me dis, ah, ma main, c'est j'ai oublié qu'il y avait un boss. Tu vois le genre? Ah non, pas dans. Je le garde quand même. Youpi! Je vais reprendre, c'était un peu compliqué ces dernières semaines. Ok! Maintenant, ça arrive. Hein. Jusqu'au vaisseau de Thumos. Tu me diras, moi, bientôt je vais peut-être arrêter. Excellent. Avec ma belle installation électrique. Hein, Kassou? Hein? Avec ma belle installation électrique, je risque d'arrêter. Hein. Ouais, mais là, ça me fait moins rigoler d'un seul coup. Ah bah oui. Couvrez-moi, il me faut un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. J'ai encore envoyé un message à l'électricien qui m'envoie un mail. Ouh, un gros vaisseau. Ilou. C'est quoi le gros vaisseau?
Shigamin, j'ai un problème avec mon station électrique, elle est considérée comme dangereuse. Disons que je peux me prendre un coup de jus n'importe quand. Et là, faut que je règle ça avec le propriétaire qui remet tout ça aux normes. Ah ouais, c'est le cas de dire. Ça va, Kassou, tu t'amuses bien? Ouais. Bah moi aussi je vais bien m'amuser. Je vais à l'épée. Oh la vache, j'ai failli tomber. Je n'entends pas les morts tomber. Vous êtes toujours en vie? Ah, moi je suis toujours en vie. Contrairement à quelqu'un que je connais, ils savent utiliser la technologie ennemie. Hé, hey, oh, ce téléporteur était bien plus vex que je ne le pensais. Oui, dis sous-sous. Ah, les mecs, ils sont partout. Ouais. Elle empêche, l'épée, elle fait mal, hein. Bah oui. Oui, oui, c'est une streameuse, la fille. Aïe, aïe, aïe. C'est une streameuse, Kassou. Oui. Elle stream sur beaucoup de jeux HP aussi. Et montez à bord. Là, je crois qu'ils sont tous morts, là. Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Notre plan dépend de vous. Belle cinématique. Détruisez le tout-puissant. J'aime bien les cinématiques du jeu. La menace qui pèse sur notre ouais, Kassou, la fin du Destiny, du Euro Truck Simulator et d'autres jeux. La fin de Gaulle Gaming est aussi. Proche. En ce moment, on fait beaucoup Euro Truck en ce moment, hein, Kassou? Ouais. J'ai une folie d'Euro Truck. Ouais, autant que moi, c'était une part de temps où je jouais beaucoup et autre truc, maintenant je joue un peu moins. Et hier, j'étais sur son stream. C'était pas mal hein, avec le camion là qui me fonçait dedans. Alors là, j'ai accepté la mission, mais tant le jeu réfléchit que j'ai bien accepté la mission. Ah voilà. Oui, parfois le jeu il a deux temps. Je vais te donner ça. Hop. Ben voilà sa chaîne. Les troupes de Zavala ont pris position autour de la cité. Ah oui. L'attaque sera lancée quand nous aurons neutralisé cette chose. Alors, quand Kassou dit « Oh oui », c'est sûr que je vais me faire péter la rondelle. Oh, cette fameuse campagne. Enfin, donc, cette fameuse mission. Ça va... Alors. Je vais bien la voir au fond. Du tout. Tu vas surtout bien t'amuser, oui. Ouais, bon. Quand elle est comme ça veut dire que je vais en... Hein, voilà. Bah, déjà, prépare tes plus grosses armures, tes plus grosses armes, déjà. J'ai rien, je suis au max déjà. Nous avons réussi, nous sommes sur le tout puissant. Très bien. On est déjà pour trouver le noyau central du vaisseau et désactiver son système d'armement. Ouais, ouais. Et la dernière fois que tu m'as dit faire un saut, je me suis retrouvé tout en bas. Hein. Alors attends, moi je vais changer d'arme. Allez. J'ai rien. Ah, j'ai. Allez. Pour l'instant, ils sont gentils. Et celle-là elle va me dire, ouais, mais ça, c'est pour l'instant. Ouais, voilà. Ah, boum. Oh. Attends, il faut donner un coup de poing. L'arme est déjà activée. Sommes-nous arrivés trop tard? Alors, hop. Pas encore.
Vous devez couper le lien entre le Tout-Puissant et le Soleil avant que son champ magnétique ne soit perturbé. Ah mais c'est un jeu où ça tu sautes aussi. Et que ça fasse boum. J'ai rien si je vais trop vite. Ou que je vais doucement. Il est limite là. Aïe. Aïe. Aïe oui, aïe oui. Aïe 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 oui, aïe aïe aïe. Voilà la nouvelle musique. Ah ok, je dois pirater ça. Yes. T'auras pu me le dire. Et là, va dire... Je vais découvrir le jeu, dis donc. Ouais, voilà. Je me l'attends. Ah. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a plein de vaisseaux qui veulent me tuer. D'un seul coup. Ah, je comprends maintenant quand tu dis ouais, sans voir tes trucs parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça? Voilà. Je me planque, j'ai trop mal. Allez, hop, grenade. Oh, tout de suite la grenade, t'as raison. Grenade! Je pouvais pas le tuer comme ça. Je crois que les gens en face ils sont énervés. Ils veulent me voir mort. Ok. Par ici. Nos forces se mettent en position autour des murs de la cité. Bon. L'assaut commencera à votre signal. En quelle position? Nous ferons tout ce qu'il faut, commandant. Je veux pas dire dans Retruck avec ton GPS, tenez la droite. Là-bas, ce tunnel devrait nous conduire droit. Au lieu de dire tout droit, non, tenez la droite. J'aime pas trop ça. Ah, c'est par là? Ok. Non, mais après, faut retourner de l'autre côté. Hein. Hein, là, c'est bloqué. Je pense que faut utiliser ce broyeur pour dégager le passage. Oh. Non, mais tu fais esprit, là. Et voilà. On dirait que la Légion Rouge utilise Mercure comme combustible. Ils exploitent le système solaire comme une vulgaire mine. Il faudrait que tu cliques c'est très impressionnant. Ici, là, je crois. Oui, mais j'arrive. Non, je peux pas. Ah non, c'est l'autre côté, c'est ici. Ah, voilà. C'est prendre une baballe. Elle est radioactive et instable. Il ne vaut mieux pas la garder en main trop longtemps. Bah t'inquiète pas, je veux pas... Ah, parce que je dois faire des allers-retours avec ça? Non, c'est bon. Ah, ok. Maintenant, regarde, hop, ça se ferme là-bas, là. Faut attendre, et il y a des ennemis qui vont arriver. Non, voilà. Sans blague. Un jeu sans ennemis. C'est pas un vrai jeu. Bon, et moi j'en ai marre de cette arme-là, là. Non, je fais pas ça. Ah bah ça va, ils sont pas beaucoup. Le chien. C'est le chien. On aime bien les chiens. Ils sont combien là à venir là? En plein pas, moi je déteste l'arme en rafale. C'est bon là? Ah bah il y en a encore! Quand il y en a plus, il y en a encore? Ouais, ça nous manquait. Oh! Regarde à la droite! Le mec il était à fond!
Non mais sans blague. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vous le conseille vivement. Il est pas mal en jeu. Voilà. Ouais, j'ai trouvé des nouvelles. What? Le tunnel est dégagé. Nous n'avons plus qu'à suivre le minerai jusqu'au cœur du canon. Alors, je regarde, c'est tout ce que je peux récupérer. Et en même temps, je rentre dans mon inventaire. Difficile de croire que nous avons une de nos planètes broyée là, juste sous nos pieds. Il reste encore un bon morceau de cette planète. On s'en occupera. J'arrive. T'as rien vu, hein. Ok, c'est par là. J'aime bien quand tu cours avec les effets. Votre groupe est en position à l'entrée de la cité. Compris. Préparez-vous à couper vos radios. Nous ne devons en aucun cas alerter la Légion Rouge. Ça m'étonne, t'as pas encore pris ta moto, toi. Bonjour, pote. Allez, meurs. Ouais. J'aime bien ton arme. Ok, c'est bien par là. Que la lumière soit. Donc, le seul moyen d'aller là où nous allons, c'est de passer par dehors. Génial. Alors, attends. Alors. Oui, d'accord, c'est la seule chose. Alors, là, il faut que t'ailles dans l'ombre. Sinon, tu perds la vie au soleil. Ouais, je Genre, parle. Regarde, là. Hop. Voilà, ici. Voilà. T'attends que tu reprennes de la vie et tu refais la même chose. Quelque part. À l'ombre. Donc, Par là. Voilà, ici, ouais. T'attends de reprendre la vie, etc., etc. Ah. Là, je vais attendre un peu. Allez. On doit y aller où? D'abord éliminer les ennemis. Eh, par contre, eux, ils meurent pas, hein, avec le soleil. Bah, sinon, ils sont à l'ombre. Non, je veux rien savoir. Excuse de l'ombre, c'est... je suis pas d'accord. Hop, c'est parti. Faut que je me recharge. Ouais, la première fois que t'as passé par là, t'étais morte. Non, même pas. Non, parce que j'étais avec un des mes joueurs. Donc il m'a expliqué le truc. Et c'est quoi le G là? Hein? Mince, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah ouais, interagir avec toi. Bah oui. Ok. C'est rien, c'est un peu le soleil, hein. Ouais, c'est bon. Oh, calmez-vous là. Cramé. Oui. C'est le bon premier. Et même pas mal. Même pas mal. T'as eu mal? Moi non. Il est temps pour moi d'y aller, Gartel. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez plus besoin de nos conseils. Et si mon chemin doit s'arrêter là, je suis prête à faire face. Aïe, par contre il fait mal là-haut. Tu prends mon coup de poing et tu t'es.
Oh la vache. Parfois je mets du temps à recharger, parfois ça va très vite pour recharger. Ouais. Ça dépend des armes. Bah même. Pour la même arme. Parfois ça va y aller très rapide, parfois ça va mettre plus de temps. J'ai pas compris leur système de rechargement. J'avais plus comment parler. Alors faut grimper en haut. Ouais. J'arrive déjà pas à grimper. Aïe. Waouh. J'espère que t'es pas pressé, hein. Après les sauts, c'est pas évident. Ça c'est sûr. Parce que quand t'appuies deux fois, tu fous le réacteur en route. Ah d'accord, je suis retombé. Ah mince. Je dirais que tu m'as bousculé, c'est ta faute. Voilà. Yes. Attention à pas tomber, hein. Me porte pas la poisse. Faut peut-être pas le tuer celui-là. Au lieu de me dire attention, ne tombe pas et... J'ai envie avec ton arme. Je vais être jaloux. Ouais, j'avais envie d'utiliser une petite grenade là. Hey, Lawson dit que nous approchons de notre point d'insertion. Les scènes d'adieu, c'est pas trop mon truc. Donc, faites ce que vous avez à faire. Mais restez en vie, ok? J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne mes blagues. Attends, j'ai un coup de fil. Oh, y'a pas de soucis. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est l'électricien parce que il était parti en week-end. J'ai un peu dérangé. Me dis, vous aurez ça demain. Je fais ok. C'est par ici. Attends. T'es où toi? Attends. Ah, t'es là. Voilà. C'est bon. Hop. Vous voyez ces tubes? C'est par là que nous atteindrons le cœur du canon. Hein? Ça veut pas dire qu'il faut sauter sur les tubes. Non. Pourquoi tu vas pas aux armes un coup de poing dans la gueule? Regarde, hop. Oh bah j'aurai le maillot demain. Ah t'es passé par où toi? Wow, on se calme. Ils veulent faire plein de choses avec toi. Bon, après... Oh la vache. Après, je crois que ta cop sera un peu jalouse, hein. Tu trouves pas? Ouais. Là, faut passer par là. Attends, je sais même plus où t'es passé par où, là. Je vois même plus. Eh hey, mince, j'ai appuyé sur le mauvais bouton encore. Là. Ok. Advienne que pourra. Adieu mon ami. Dors mieux, je t'aimais pas. Ah, tu parlais pas pour moi. Ah, l'empêche est pas mal hein, le tourbillon. On se. Eh, t'es sûr qu'on n'est pas dans SG1?
Quoi, ça m'a fait penser à ça? Eh, en plus, je suis en surcharge. Ah, par contre, j'aurais dû peut-être utiliser le réacteur. Parce que là, j'ai la moitié énergie qui est partie. Attends, c'est encore des véhicules à conduire? Des molosses. C'est comme s'ils nous imploraient de faire exploser non. cet endroit. Non! Si, si. Là, t'es obligé parce que faut que tu fasses. Faut que tu détruises des. Des cibles. Allez. La vache, mon truc il prend cher. Ok, il y a le turbo en plus. Bah oui. Ouais, mais tu me dis rien. Et là, elle va me dire, bah, je te laisse découvrir. Waouh. C'est... C'est grand. L'autre, il sait pas quoi dire, bah c'est grand. Échangeurs thermiques. Neutralisez-les pour que l'arme surchauffe. Ouais. Attends, 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 c'est où c'est? C'est là? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à ça. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, je crois. D'accord. Je sais même pas où aller. Ah, ça y est. Donne-moi. Le dernier doit ventiler le cœur. Ah bah non. Il n'y en a que 3. Ah, tu vois, tu sais pas compter. Ouais. Ah, tu voulais m'en rajouter plus, hein. Ouais. J'aurais pas dit non. Même pas où il se trouve, le dernier. De l'autre côté en fait. Ah non, là, ouais. Allez! La température augmente, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons nous occuper du cœur lui-même. Ah, maintenant c'est le cœur! Ouais. Mais ça va rendre obligé d'aller à pied. Y'a même pas où tuer! Là! Ah. Ok, je te suis. Une cellule à fusion. Utilisons-la pour surcharger l'accumulateur d'électrons. Ouais. Allez, vas-y, monte, monte, monte. Ah, ça brûle le pied. La vache, la vache. Eh oui, 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 et... Il marque. Je rapproche le vaisseau. Courez. Hein? Encore où? Oh. Oh la vache. Je crois qu'on... Encore, 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 encore. Ça va là. L'arme a été détruite. Déclenchez l'attaque. Ouais, vas-y, déclenche. Ah, les musiques sont super, hein, en passant. On peut le faire. Ouais. Et c'est là que tu meurs juste à la... avant, 10 mètres avant. Rentrons à la maison. Alors moi j'étais bien là. En plus je bronzais gratuitement. Bah quoi, j'ai dit une bêtise. Donc voilà, on est au calme. Petite cinématique. Je vais te dire, poser une question bête. C'est pas la cité qu'ils avaient attaqué au départ? Oh la poupoule! Tu laisses la poupoule tranquille! Ah,
Bien joué, colonel. Ah, d'accord. Ça fait combien? Ça t'a la suite? Ouais, pas besoin de lumière quand on a un ami à plumes à ses côtés. J'ai pas raison? J'ai raison ou j'ai pas raison? J'ai raison. Colonel, c'est suite en hommage, tu sais bien, au resto fast-food de... Parce que je peux pas dire le mot. Tu vois lequel je veux dire, avec les poulets. Ouais, c'est le point de ralliement où j'installe le téléporteur. Zavala et Ikora doivent être à leur poste. Zavala, on est en position. Très bien, nous aussi. Ikora, c'est quand vous voulez. Bien sûr. Ok. C'est parti. Et c'est parti pour le show. Ah non, c'était pas ça. Ah, moto. Ok, on y va. Zavala, nous sommes en approche. Bonne musique d'action. Ok. À croire que les gardiens passent leur temps par terre. Et ce n'est pas une gardienne. S'il s'en tient à notre plan. Il est juste là où il faut. On n'a plus qu'à vous aider à monter, Ikora et vous. Oh. Pas cool. Bon, surprise. Ça change tout. Je me charge de ça. Vous devez y aller. Ouais, on y va. Ikora, Cade est en place et moi en route. Courage. Courage. Gardienne. Ah, Matlo est devenue gardienne. Ah, et franchement, question cinématique, ils sont bien défendus. Et les musiques, super. Mm. Ouais! Trouve ton métier. Une petite cinématique, au calme. Gaul, l'ennemi attaque la cité. Et le Tout-Puissant est perdu. Perdu, explique-toi. Totalement détruit. Par la même personne qui, je ne sais comment, a réussi à retrouver son pouvoir. Et à humilier nos forces à travers ce maudit système. Tu le saurais si tu n'avais pas perdu ton temps à communier avec une machine et une créature qui prétend lui parler. Surveille ton langage, consul. Mon langage ? Nous allons faillir dans notre mission pour sécuriser ce pouvoir et libérer notre peuple. Ce serait une première dans la glorieuse histoire de la Légion Rouge. Un fiasco ! À cause de toi et de tes préoccupations. Regarde ton voyageur, Dominus. La cage est complète. C'est le moment de t'emparer de ce qui te revient de droit. De prendre ce pouvoir. Dis-moi, guide. Qu'est-ce que le voyageur veut de plus ? Ouais, il veut quoi ? Gaul. Je parle au nom du voyageur. J'allais dire une bêtise. Tu veux que je te... n'ai jamais tu veux que je te la sorte, la bêtise ? Oui. Tu sais quand il a dit Gaul ? Ça m'a fait penser... Ouais. Tenir droite la Gaul. Tu sais, GPS. Ouais. Ok, c'était vas-y, je sors. C'est bien ça. Cette obsession doit s'arrêter. Tu as déjà été bonne, allez. Pas par une stupide machine, mais par moi.
Je t'ai choisi le jour où je t'ai trouvé. N'oublie pas d'où tu viens, qui tu es. Tu es un Cabal. Les Cabals n'attendent pas. Tu vas prendre la lumière. Respecte ta promesse et venge-moi comme prévu. Regarde-moi, disciple. Regarde-moi. D'accord. Je vais respecter ma promesse, vieil ami. Je suis Gaul. Et je vais prendre la lumière. Et tu vas mourir entre mes mains. Entre ma main, plutôt. Ah, même pas. Ah si, il est mort. Ah oui, il est mort. Eh, il est mort. Gaul, on va droit sur Gaul. Mince, c'était pas ça. Alors, ça dit quoi? Dis-moi tout. Petit temps de chargement, écran noir. Ça fait peur. Oh bah, je crois que c'est reparti pour un petit chargement. Je sors la manivelle, là? Ouais, vas-y, sors-la. Ah non, ça a été vite. Ah ouais, pour une fois. Ah ouais, là, c'est pas tout le temps. Bah, on y va. Hein. T'es prête? Ouais. Je suis en lumière. Attention. C'est parti, mon kiki. Ouais, tu passes devant moi. Et... pas normal, ton vaisseau passe devant moi. Et... t'as fait l'esprit, avoue-le. Ouais. Allez, on descend. Et là, je passe devant toi. Parce que je me suis vengé. Le voyageur, que lui arrive-t-il? Ah, il fait dodo, le voyageur. Ça va là, nous sommes de retour et prêts à... Bah, prêts à atterrir. Hein. Un peu en avance. J'ai atterri un peu en avance. Hein. Ah, c'était une voiture ou une moto qui est passée? C'est toi. J'ai entendu. Ah, j'ai du son, mais j'ai pas encore l'image. Ah, maintenant j'ai l'image. Et en fin de compte, c'est des joueurs en face qui jouent. Ouais, donc tu peux croiser des joueurs. C'est quoi ma quête là? Gardienne, êtes-vous toujours là? Ouais, je suis toujours là. Ça va, mais le voyageur... C'est exactement pour ça que nous sommes là, pour arrêter cette folie. Igor, je te suis. Nous approchons du point de ralliement. Cade y est déjà. Nous utiliserons le téléporteur Vex pour atteindre le voyageur. Si on arrive indemne. Nous couvrons vos arrières. Bienvenue, gardienne. Contente que vous ayez pu vous joindre à la... Bien entendu, je coupe tes arrières. La Légion Rouge utilise ses barrières énergétiques pour nous prendre en embuscade. Je devrais pouvoir pirater le réseau pour le désactiver quelque temps. Une seconde. Ah ouais, quand tu tues les ennemis, ça me donne des points. Bah, du pognon. Ok. On a là. Ah, je déteste quand ils ont un bouclier autour d'eux. Moi, oh, c'est le pire. Ouais, mais c'est... ouais, c'est par ici? Non, ouais, c'est... mais c'est parce qu'il y a encore des ennemis. Ah. Coucou, toi. Tiens. Je prends un coup de poing. J'ai coupé le courant. Dépêchez-vous avant que la Légion ne le rétablisse.
Laisse-moi rentrer, enfoiré. Il voulait pas, hein. Tu es témoin. Là, je vais m'amuser avec mon épée. Ah, je vais faire un harakiri. Je m'amuse bien avec mon épée. Bon, allez. Recharge. Nous sommes à nouveau bloqués par une barrière énergétique. Attendez, je m'en occupe. Là, ils ont pas aimé ma petite grenade, tu vois. Ah, ils m'en veulent. Courez, la barrière est désactivée. Ouais, ouais. On y pense à courir. Attendez, t'es passé par où? T'es passé par là. Saute. Il voulait pas. elle veut pas. Oui, moi je suis une meuf dans le jeu. Donc là, on retourne dans la première cité dès le départ. Ouais. Alors on est loin à la fin du jeu ou pas? Là, j'ai entendu me poser la question. Bah non. Ah parce que là on va... Il reste combien de temps à peu près? Là je sais pas. Je crois qu'il reste encore une mission encore. Non. Arrête! Me dis pas ça. Et après tu passeras au boss. Goal. Ah, là à mon avis je vais pleurer. Wow. Ah franchement la campagne elle est pas mal hein. Ouais. Moi j'aime bien c'est le son. Ah ouais. Ikora et moi sommes au point de ralliement, mais Cade a toujours du mal avec le téléporteur. Soit je tire, soit je répare ce truc, mais je ne peux pas faire les deux parce qu'ils viennent de me dégommer un bras. Cade, on a besoin de ce téléporteur. On ne tiendra pas longtemps. Ils nous attaquent de tous les côtés. Nous avons besoin de votre aide, gardienne. Le voyageur. Non, bon, attends, il faut passer par où là? Vider le voyageur de sa lumière. C'est passé par où? Explication possible. Si nous n'arrivons pas à l'arrêter, voilà. On aura tous les pouvoirs que nous avons perdus. C'est fini. Ok, il fallait passer par là. Je crois qu'il y en a qui veulent te tirer sur toi. Ok. Et le goal, il est chiant à battre? Enfin oui parce que il se met en Tu mens. Oh là là. Eh hey, tu m'as bousculé. Alors tu disais? Alors il a? Il a une une protection. Ouais, donc si tu fais en solo, tu t'amuses bien. Ouais, c'est ça. Je laisse passer, tu vas encore me pousser dans le vide. Et après, elle va dire, mais non, c'est pas moi. Wow. Oh bah tu vois, t'arrives à t'en sortir. Bah tu rigoles, là je vais pas sauter si je loupe encore un bon saut. Hein? T'es passé par où là? T'es pas suivi? Là? Où? Là? Ah! T'es où toi? Vas-y, dépend.
Tu es... Je t'ai paumé juste après que t'as sauté. Ah, là. Non, non, c'est pas là. C'est pas... Ah, c'est par là. Ouais. Eh, tu peux pas me trouver un chemin plus facile? Franchement. Quoi, tu t'es? Et partez. Attends, tu vas trop vite, j'ai des mecs, moi. Je sais que parfois je suis long, mais quand même. Parfois je suis rapide. J'ai plus qu'un. Hey, ne tirez pas là-dessus. Oh, on tire sur tout, nous. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Gardienne, on ne peut pas venir avec vous. À vous de jouer. Oh, sauver comme... les voyageurs. Ouais, comme d'habitude, on se démerde. Ah ouais, c'était quoi cette téléportation là? Vous êtes sur le vaisseau mère de Gaulle. C'est le plus proche que l'on puisse faire. Ah bah non, bah c'est... du coup c'est la dernière mission. Soyez forte. Ah ok. Pour nous tous. Alors toi tu réveilles tout le monde toi. Ah ouais, moi je suis obligé à réveiller tout le monde là, je m'ennuie sinon. Puis ça me fait des thunes. Tu vois, moi je veux au coup de poing là. Ah pourquoi il fallait pas que je réveille. On va aller au boss. Déjà? Eh bah oui. Alors par contre j'ai fait moins d'heures de jeu que toi et je suis déjà à la fin. Moi j'ai fait du solo aussi. Ils étaient pas tout le temps avec moi. J'étais en solo. Eh, en fin de compte, la seule fois. Ouais, mais après, il y a d'autres campagnes aussi. Hein. Oui, mais là, celle-là, c'est la campagne principale. Oui, mais il y a d'autres campagnes principales. Oui, mais celle-là, c'est la première campagne principale. On va dire comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je dis pas rien. Voilà le voyageur. On se rapproche. Ouais, on se rapproche. Je vais poser un truc débile, donc ça risque de me spoiler un peu. Les autres campagnes principales, c'est la suite directe après la mort du boss ou... Oui. Ok. Et d'habitude, j'aime pas qu'on me spoil, mais quand c'est moi qui demande le spoil, t'as le droit. C'est par là, c'est de côté. Ben moi je te suis hein. C'est pas possible. Il est dans les flammes le boss. Enfin le genre d'espèce de tourbillon là, je sais pas comme ça. D'accord. Ouais bah, vas-y va battre le boss et je vais préparer un café. J'ai ma charge au max déjà. J'ai déjà ma charge. J'ai gardé ma charge. C'est donc toi que le voyageur envoie m'affronter une fois de plus. Ouais. Regarde-moi. Je suis Dominus de la Légion Rouge. Destructeur de soleil. Exterminateur de monde par milliers. Bourreau des dieux et conquérant de la lumière. Je suis... Hey, quand il a dit conquérant de la lumière, ça m'a fait penser à un vieux dessin animé des années 80. Jess et les conquérants de la lumière. Avec quoi Allez, c'est parti. M'en fous, j'ai mon outil. Sauf s'il me l'a retiré. Ouais, mais là, tu peux. Là, t'as des trucs pour faire ton outil. Voyageur aurait mieux fait de me choisir. Et maintenant, c'est trop tard. Regarde, ton dieu est mort. Là, il ne pourra pas sauver l'humanité. Ah ouais. Tu passes dessus, ça recharge tes unités. Et c'est moi qui décide de ce qui m'appartient. Ouais, cause toujours. Moi, voilà. Moi, tu peux plus maintenant.
faut t'attendre. Ah ouais, en solo, là, tu t'amuses bien. Ah, ils viennent partout. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, enfin, quand en solo, tu nages. Pour le faire. Tu n'as pas pu protéger ton voyageur. Tu as laissé ta cité mourir. Abandonne. Tu n'as plus rien à défendre. Plus rien qui puisse justifier ton sacrifice. Ouais, inhumusé, l'enfoiré. Moi, tu gagnes pas mal de pognon avec cette histoire. Bah, c'est clair. Et il a combien de phases? Ah, je sais ce que tu le tues. Ouais, bah ce serait bien qu'on récupère. Ah ouais, la lumière, elle s'éloigne de plus en plus. Tu me fais de la peine. Tu ne sais pas ce qu'est le sacrifice. Tu vas mourir. Le mérite. Ouais, ça. Si. Si. Viens. Tiens. Ouais, je voulais lui. Je voulais lui enfoncer mon coin. Mission élue. Terminé. Ah, c'est ça, jouer avec le feu. Hein. On se brûle à la fin. What? Voyageur, est-ce que tu me vois maintenant? Je suis devenu immortel. Un dieu. Tu as échoué. C'est une nouvelle ère qui commence. D'accord. Tu réagis enfin. Oh. Ouais, enfin, quand il était immortel, quoi, 10 secondes? C'est à peu près ça qu'il était immortel. Mmh. Allez, c'est reparti le chargement, tu me réveilleras. Et t'as combien de compagnes en tout? Trois. Plus deux qu'il faut acheter pour les en DLC. Ah ouais, mais j'ai pas encore les DLC. Il y en a un qui sort en mois de novembre. Ouais, mais DLC payant, hein, comme d'hab. Bah ouais. Hein.
Ah, maintenant il y a du travail pour tout réparer, hein. Ouais. Voilà, il y a plus de chômage. Ça y est, il y a plus de chômage. Allez, tout le monde au boulot. Ah bah oui. Ah lui, il me fait trop marrer le troisième là qui arrive. Je sais plus comment il s'appelle. Cade. Ah ouais. Avec sa poupoule. Allez, il est où sa poupoule? Et moi, j'arrive au milieu que je te vois pas. Ça, c'est dommage qu'ils ont pas mis nos deux personnages. La lumière survit n'importe où. Dans tout ce qui existe. Vous pouvez la bloquer. L'emprisonner même. Mais elle saura se libérer. Oh là, c'est pris un petit coup de la lumière, hein. Je peux pas dire, mais... Destiny 2. T'as pas joué au 1. T'as déjà joué au 1, toi? Non. D'accord, là j'ai un écran noir. Avec le petit logo de chargement qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ouais, j'aime bien faire, moi, d'un seul coup, de jouer à ce jeu-là avec toi. Bon, de temps en temps, tu me pousses dans le fossé. J'ai rien dit. T'as rien entendu. C'est quoi cette explosion là? Ça, c'est la. La lumière? Ouais, et c'est la suite de la nouvelle campagne. Ok! Ça va, il n'y a pas de crédit de fin. Enfin, qu'on s'est assis directement sur l'autre campagne. C'est ça. Ah, ça c'est cool. T'imagines qu'ils auraient mis un crédit de fin et après tu tapes une nouvelle campagne et retaper les crédits de fin. Ah, c'est quand même super quand même la cinématique. Et ça va te montrer les nouveaux méchants qu'il va y avoir. Les Goa'uld. Ah non mince, je me suis trompé. J'ai pas eu. C'est vrai, on n'est pas dans SG1. Je me suis trompé. C'est eux. Ah, quoique, hein. Ils ont les vaisseaux des Goa'uld, hein, si tu remarques. Pyramide, Goa'uld, hein. J'étais pas loin, hein. Bah quoi? C'est vrai? Les Goa'uld, leur vaisseau, c'est bien des pyramides. Ok, maintenant, écran noir. Pour pas changer. Ouais, ça m'a attiré sur... Ah ouais, donc c'est toujours le curseur rouge pour la quête. La guerre rouge. Ouais. Tu veux encore jouer un peu? Ouais, vas-y. Ok. Alors c'est où? C'est... Ah, il est là. Faut que je me téléporte ici, le plus près. What? On peut monter jusqu'à 6 joueurs? Non, c'est une blague. Ah toi, ton vaisseau, oui. Il est déjà barré, hein. Ah non, j'ai rien dit. Tu reviens me rechercher. J'ai quand même du pognon, faut peut-être que je m'en sers un peu le pognon, qu'est-ce que tu penses?
les vaisseaux qui volent ensemble. Dommage qu'il n'y a pas un klaxon sur le vaisseau. Ok. Avant d'y aller activer la quête, ça se trouve où le machin d'armes ? Ah, c'est toi ça ? Oui, c'est moi. T'as vu comment je suis belle, moi ? Ouais. Avec mes yeux, hein ? Oh, ils ont fait Halloween! Oh, c'est trop stylé! Ah ouais! Vas-y, je te suis du poisson, je sais plus où que c'est. Bah, c'est tout le droit, mais moi je veux chercher un marchand d'armes et je sais pas c'est quoi les marchands d'armes. Ouais, faut qu'on remonte. Ah bah, sinon c'est pas grave. Je vais directement voir notre pote. On est où? On est là. Pour revenir en arrière. Attends, je me perds. Attends. Ta. On est où? On est là. Ah bah, normalement, il est juste à notre droite. Hein? Je comprends pas, là. Je me suis perdu. Je discute avec... Parler à Wharton. Vous, celui-là. Fais pas trop vite, hein. Ah, donc à Wharton, il se trouve là-haut. Ouais. Ah, donc on n'est pas loin des marchands d'armes, alors. Devry m'est reparti au combat. Ah, j'arrive. Bonjour toi. Écartez-vous. Héroïne en approche. Avoir sauvé le monde ne doit pas vous monter à la tête. Ne me faites pas regretter ma décision. Oui, vous avez compris. Je parie que vous pensiez être débarrassé de moi. Raté. Je reste dans les parages. Ok. Zavala m'a convaincu. Incroyable, non? On a beaucoup parlé des clans que j'ai rassemblés. Il aime ça. Il pense que ce serait un plus pour la cité. Alors, me voilà. Ok. Ça me paraît dingue, mais... En ce moment, qu'est-ce qui ne l'est pas? Le voyageur est en vie. Les vieilles règles ne s'appliquent plus. En même temps, je n'ai jamais vraiment respecté les règles. Sans blague. Donc là, j'ai parlé à elle, donc là, on peut faire la mission maintenant. La mission, elle est où? Là, je vais faire quoi maintenant? J'entends me perdre. Là, elle va me dire, ah bah bravo. A repris ses fonctions de responsable. Faudrait que Devrim vienne me rendre visite à la cité. Donc, il y a bien un truc dont j'ai envie. Je parle à Ikora. Alors, Ikora est par là. Je crois. Elle est juste là. Juste où? Ok. Bah en bas. Je suis tout. Salut Ikora, comment tu vas? Faites vite, mon ami. Attends. Introduction de quête. Quête concentration, tout ça, ouais. Je n'aurais jamais cru que le voyageur puisse se réveiller à nouveau. Si c'est un test du voyageur, je pense que j'ai échoué. Ah bon? T'as échoué? Avoir tort? C'est une nouvelle expérience pour moi. Les mystères de l'univers sont donc bien plus profonds que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Grâce à la lumière du voyageur, de nouveaux horizons se déploient devant nous. Et pour la première fois depuis des siècles, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ok. N'est-ce pas exaltant ? Exaltant, hein. Notre lumière est plus forte que jamais. Ne me fais pas marrer. Maintenant, je dois faire quoi? Parler à Amanda. Oh là. Eh, c'est bon là, je vais faire le tour de la cité ou quoi? C'est important. Alors, elle est où celle-là déjà?
Non mais t'aurais pu me prévenir que je faisais le tour de la cité. Et après, ils veulent pas que je parle au poulet ? N'arrêtez jamais de combattre. Et où, Amanda ? Nous sommes tous reconnaissants. Ah, t'es déjà... Bah oui, j'ai pris le téléporteur. Quand vous murmurez, vous avez vraiment l'air en forme. Avez-vous pris du... Non mais je suis pas d'accord, là. Bibi, vous aimez mes nouveaux quartiers? Ouais, pourquoi pas. Enfin, il m'arrive toujours d'oublier que je ne suis plus dans l'ancien hangar. Bref, c'est pas la première fois que je dois repartir de zéro. Allez de l'avant, y'a que ça de vrai. Ok. Et allez, là, je vais parler avec qui? Bien le dos au mur, gardienne. Parlez à Az. Prends pas le téléporteur. T'as encore pris le téléporteur? Non. Ah ok. Maintenant faut que je parle à... Ah faut que tu parles à tout le monde. À Zavala. Ah voilà. Zavala maintenant. Alors vous voyez, première mission c'est... Vous parlez à Zavala... Azazaza. Voilà. Je me suis paumé. Elle est où? Ah elle est là-haut. Youpi! Youpi! Et puis c'est là, je tombe dans le vide. J'ai aidé à construire ces murs, vous savez. J'en suis fier. Très fier. Mais les murs ne font pas que nous protéger de nos ennemis. Ah. Ils nous confinent également. Ouais, si tu dis. C'est quelque chose qu'on oublie facilement. C'est pour cela qu'avec ce nouvel âge d'or qui commence... N'importe quel lieu foulé par l'humanité représente la cité. Nous devrons découvrir le monde extérieur. Nous oserons contempler l'inconnu. Nous poserons le pied sur de nouvelles planètes. Et un jour, dans la lumière d'étoiles lointaines. Et gardienne, ouais, et gardienne, c'est vous qui nous guiderez. Ouais, si tu le dis. Bon, c'est bon là, j'ai terminé faire le tour là pour parler à tout le monde. Hein? J'ai pas compris. Pourquoi j'ai aucune quête sélectionnée, là? Comment ça se fait, j'ai pas de quête? Quête principale? La guerre rouge continue ses ravages. Bienvenue. Ah, Kassou. Kassou! Il faut que j'en Kassou parle. Kassou! Nous avons besoin de vaisseaux. Allez, j'ai paumé Kassou. Kassou, si tu es là, tape trois fois. La prochaine menace arrivera bientôt, gardienne. Mais quand elle sera là, nous serons prêts à combattre. T'es là? Oui. C'est quoi la quête principale? J'ai plus le truc rouge, là. Vas-y, va dans... non, destination. Oui, ou quête. Destination, si tu veux. Va tout en bas, dans le petit temps passé, là. Dans tes quêtes. Ouais. On a... Et... C'est dégoûtant. Et... Je crois que c'est la malédiction. C'est là? C'est classique, la malédiction, je crois. Attends, je regarde vite fait l'ordre des missions, si je me rappelle plus. Vas-y, vas-y. D'armes légitimes
quand le but en est équitable. Oui. Une grande partie du système est toujours sous contrôle de la Légion Rouge. Et la guerre continue. Mais nous ne perdrons pas. Voyons voir. Pendant de nombreuses années, les Verts étaient calmes, bien contents de se concentrer sur la Lune. Mais cette époque est révolue. Devons-nous Je crois que ça va être la malédiction. Et la malédiction ? Une grande partie du système est tout. J'arrive pas à trouver l'ordre de la campagne. Nous ne perdrons pas. Ça devrait le faire. C'est satané déchu. Je veux un rapport sur ce qu'il se passe au domaine. Ouais. C'est bien ça ? Ouais. Malédiction, ok. Donc ça fait attirer là-haut, ok. T'es prête ? Vas-y. Allez, on y va. Ça va être la dernière mission en passant. Lorsque la Légion Rouge nous a attaqués, nous avons failli tout perdre. Il a fallu un miracle pour nous sauver. Le réveil du voyageur. Ceci est notre nouveau départ. Les cartes sont vierges. Les règles ont disparu. Tout ce que l'on sait, c'est que nous devons surpasser ce que nous étions. Ce petit coin de cosmos est le seul lieu qui nous appartient à jamais. Et l'univers nous observe d'un œil envieux. Nous avons prouvé pouvoir combattre des menaces venant d'autres étoiles. Mais maintenant, certaines choses se réveillent sous nos pieds, provoquées par la lumière du voyageur. Notre guerre ne fait que commencer. Ouais, la guerre fait que commencer. On l'a fait, je sais pas combien de missions avant, mais ça vient juste de commencer. Non. Le portail. Petite cinématique calme. Des pierres sinistres, des robots tueurs, des gens en danger de mort. Ah, d'accord, looté, il arrête de ne vous lassez jamais. La fatigue nous éloigne de notre objectif. Et se plaindre aussi. Oh, j'ai même pas commencé à me plaindre. Aïe ! Oh, maintenant je peux me plaindre. Concentrez-vous, Sagira. Vers les étoiles, mon grand. Ah, la facelle ! Besoin d'aide ? Encore ? Je m'en occupe, merci. Ok. Eh bien ? Osiris ? Qu'avez-vous vu ? Doucement ! Attendez. Je pensais que... Ne restons pas là. Oh my god. À gauche. À 2 heures. Moyenne portée. Pas besoin de me remercier.
Vous savez, je ne peux m'empêcher de constater que même si on peut explorer des tonnes de réalités, vous choisissez toujours celle où on se fait tirer dessus. Nous ne pouvons pas rester là. Si les Vex réussissent, c'est la fin de toute chose. Sagira, ils détectent votre lumière. Vous devez partir. Non, je vous laisserai pas. Sans moi, vous ne pourrez jamais revenir. Si je n'arrête pas les Vex, il n'y aura aucun endroit où revenir. C'est pour nous deux que je fais ça. N'y pensez même pas. Ok. Décimititude. Extension One. La malédiction d'Osiris. Allez, j'ai oublié de sortir la manivelle pour le chargement. Ok, donc là on revient dans la cité. Gardienne, merci d'être venue. Il y a du nouveau sur Mercure. Des rapports étranges provenant des fanatiques qui s'accrochent à ce qu'il reste de la planète. D'ordinaire, j'ignore leur théorie du complot, mais un de mes clandestins m'a apporté ceci. Un spectre défunt ? Elle n'est pas morte. Elle se nomme Sagira. Je la connais depuis bien longtemps. Ainsi que son gardien. Osiris. Osiris. Le véritable Osiris ? Le plus puissant de tous les gardiens ? Le héros des six fronts ? Le Zavala avant l'heure ? Zavala n'aimerait pas que vous l'appeliez comme ça. La plupart des gardiens n'osent prononcer le nom d'Osiris. C'est le seul commandant de l'avant-garde à avoir été exilé de la cité. Et c'est lui qui m'a appris ce que cela signifie d'être un arcaniste. Nous avons trouvé Sagira sur Mercure, et au même moment, l'activité Vex s'est fortement intensifiée. Et vous pensez qu'Osiris pourrait être derrière tout ça ? Je dois savoir ce qui s'est passé. Même si l'avant-garde préférerait l'oublier. Quand j'ai perdu ma lumière, il ne me restait plus rien. Je me sentais si vide. Puis vous êtes arrivé sur Io, et vous m'avez aidé à reprendre mes esprits. Ok. J'ai besoin de votre amitié à nouveau, gardienne. Allez sur Mercure. Prenez Sagira avec vous. Les adeptes d'Osiris, pour ce qu'il en reste, devraient savoir ce que sa présence signifie. Et que cela reste entre nous pour le moment. Oh bah t'inquiète pas, je risque pas de parler. Je préférerais ne pas avoir à vous jeter du haut de ce mur. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ? Je plaisante, bien entendu. Eh, je n'ose pas de dire à quelqu'un, vu que le personnage, il ne parle jamais. Et la seule fois qu'il parle, c'est « Ah !» Parce qu'elle se fait toucher. C'est vrai ? Ouais, ça, je trouve ça un peu dommage qu'il fasse pas parler mon personnage. Bien, vous voulez entendre mon personnage parler. Ok, donc là c'est parti à la mission. De toute façon, comme je te disais, je fais encore la mission là et puis j'arrête. Le voyageur a transformé Mercure en planète remplie de jardins. C'était un paradis. Je ne vais pas avoir le choix d'arrêter après la mission. Les Vex ont remplacé le noyau de la planète. Je ne vais pas avoir le choix d'arrêter après la mission. On appelle ça la forêt infinie.
Parce que ça passe c'est un labyrinthe en constante expansion, formé de multiples réalités. Déjà, ça fait déjà une deux chemins ne se ressemblent jamais. Et personne n'a jamais réussi à s'en échapper. C'était aussi des choses à faire. C'est pour ça, juste la mission là, et après, j'arrête. Bienvenue sur Mercure. Voilà, ça, il y a beaucoup de cinématiques. Hein. M'avait prévenu de votre... Ouais. Quelle coïncidence. Nous avons également suivi des signes. Et quand je dis signes, je parle de faits concrets. Ça aussi, c'est un signe. Je m'appelle Frère Vance. Et je fais partie des adeptes d'Osiris. Je suis gardien du phare et oracle des prophéties oubliées. Ok. C'est bon, là? On peut jouer, là, maintenant? Et c'est la cinématique. Non, le chargement et après une autre cinématique, tu vois, juste pour passer l'ambiance. Ah bah tu sais, avec tous les cinématiques, un chargement, hein. Le chargement des affaires. Ah. Ah bah voilà. Enfin. Ouais. Il y a un portail Vex près de l'endroit où vous êtes. Osiris l'a étudié pendant des années. Il était convaincu que c'était la porte menant à la forêt infinie. Si nous voulons avoir une chance de trouver Osiris, nous devons ouvrir cette porte. Ouais. Ikorare, la plus brillante des élèves d'Osiris. Frère Vance, le plus grand fan d'Osiris. Ah, toi, tu sautes, moi, je prends les escaliers. Il hein. Y a des personnes, ils ont travaillé pour mettre des escaliers. Hein. Un peu de RP. Ah, lui, il me fait chier, déjà. Ah, avec son bouclier. Waouh! Attends-moi. Youpi! Je vole! Je suis mort comment, moi? Bah, en fait, il y a des fanatiques qui... Ah. qui jettent du produit par terre. Ah, maintenant, je comprends. Moi, un petit coup de poing. Vous avez mené jusqu'à moi, le plus fidèle de ses serviteurs. Étant donné que vous vénérez un homme qui remet tout en question, je suis surprise que votre foi vous serve à quoi que ce soit. La vache. Les Vex frappent à ma porte. Osiris n'est pas revenu. La foi est la seule chose qui me reste. Le portail vers la forêt infinie. Un lieu dont personne n'est jamais revenu. Pas même Osiris. Youpi. Ok, il y a des mecs qui veulent me tuer. À toi, toi tu te barres, au calme. Ok. Nous ne pouvons pas traverser. Peut-être que si la spectre d'Osiris était éveillée, elle pourrait nous aider. Osiris soit loué.
Vous y avez sa spectre, Sagira ? S'il vous plaît, je vous en prie, amenez-la moi. Donc ça veut dire on va encore se taper des mecs. Je passe gaffe à mon énergie. Tu vas pas dire qu'il faut refaire le chemin inverse ? Ce ne sont pas des Vex normaux. Hein ? Qu'est-ce que vous... Si. Non mais... C'est une blague ! Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défendre? Ouais. Ah, ok. Ça, c'est dans mes cordes. Ouais, la vache, Louti, il a tiré où là? Combien des centres, les Vex d'autres lignes temporelles convergent sur Mercure. Ça n'est pas bon du tout. Ah, j'étais combien là? Attends, j'ai un truc que j'ai arrêté de bloquer. Je ne sais pas ce que je serais devenu si Osiris ne vous avait pas mené jusqu'à moi. En retour, les adeptes d'Osiris vous aideront à réanimer sa spectre. Nous avons un temple caché sur Terre. Emmenez Sagira jusqu'à ses coordonnées. Je vais prévenir les adeptes. J'ai une nouvelle arme. Maintenant que le phare est sécurisé, nous pouvons nous préparer au retour d'Osiris. Toutes ces prophéties oubliées sont en train de se réaliser. Ouais. Je vais enfin rencontrer Osiris. Ouais, si tu le dis, tu vas rencontrer Osiris. C'est chiant. Ah, c'est la fin de la mission. Oh, bah c'est encore mieux. Bah voilà. Et t'es rapide. Bah voilà, plus le poil. Bah ouais, voilà, et t'es rapide. Elle était rapide, je te le dis. Je te dis qu'elle était rapide. On a eu une demi-heure de cinématique pour 10 minutes de plaisir. C'est ça. Bon. Non, mais son blague, c'est vrai le pire, c'est... Bah ouais. De toute façon, toi, tu vas partir... En stream, ouais. Ouais, bah je vais y aller. Ouais.